Bonjour, je suis Marie-Pierre Miller, je suis directrice du Centre du développement agroalimentaire Asdèche-le-Bouc. C'est une association qui a pour vocation d'accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur développement, les producteurs, les restaurateurs, les entreprises. Mes missions au quotidien sont des missions d'accompagnement de projets, de développement de projets au bénéfice des entreprises. C'est également de gérer une marque collective qui s'appelle Goûter l'Ardèche qui sélectionne des produits et services de qualité. C'est également de trouver des financements pour mener à bien tous ces projets. Alors, mon travail au quotidien, c'est pas mal de travail de bureau, mais pas du travail en solitaire puisqu'on travaille beaucoup en équipe, sur des projets, monter des dossiers de subvention, réunion d'équipe ou avec les partenaires. Mais c'est également aussi du travail de terrain pour aller rencontrer les entreprises, les partenaires, pour être présent sur différents événements comme des salons ou pour organiser différentes manifestations. Alors les compétences qu'il faut mobiliser pour ce type de métier sont premièrement des compétences en communication. Alors communication écrite tout d'abord, puisqu'il faut savoir bien évidemment rédiger des dossiers, des courriers pour mener à bien les projets. Communication orale, parce qu'il faut savoir intervenir en public, il faut savoir bien évidemment rencontrer les partenaires et argumenter. Donc ça c'est la deuxième chose. Et puis aussi maîtriser aussi les supports de communication, web, réseaux sociaux, pour faire savoir nos actions. Ensuite, il y a aussi des compétences plus techniques, savoir monter des budgets prévisionnels, des dossiers de subvention au cours de l'année. Alors, au niveau de ma formation, j'avais envie, moi, au départ, de faire de la biologie. Donc, j'ai fait un BTS analyse biologique et puis ensuite, je suis allée à la fac pour faire une licence et un master de génétique microbienne. Et je suis rentrée sur concours en école d'ingénieur agronome, donc à Montpellier, qui est une école donc spécialisée sur la viti-œnologie et également les sciences et techniques des fruits et légumes. Donc je me suis spécialisée en industrie agroalimentaire fruits et légumes. Et j'avais fortement envie de travailler sur mon territoire, à savoir l'Ardèche. Et donc, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai postulé pour travailler au service de mon territoire. Alors, en quoi ce métier est passionnant ? Parce que c'est un métier, un travail auquel on accorde vraiment, on donne vraiment du sens à son travail de tous les jours. On travaille au quotidien, au service des entreprises, au service d'un territoire. On a l'impression de se sentir utile parce qu'on accompagne des projets de développement pour l'avenir, le développement des circuits courts, des produits de proximité sur un territoire. On accompagne les entreprises à réfléchir à l'avenir, à travailler mieux demain, à se nourrir mieux demain. Donc c'est vraiment un métier dans lequel on se sent utile. Donc je conseille ce métier à tous ceux qui ont envie d'œuvrer pour leur territoire et qui ont envie d'accompagner le développement local.